trop, c'est trop. Nous ne voulons plus des politiques d'austérité. Pourquoi nous ne voulons plus ces politiques d'austérité? Parce que socialement, elles sont terriblement injustes. Et économiquement, nous considérons clairement qu'elles sont imbéciles, qu'elles sont absurdes parce qu'elles ne fonctionnent pas. Et nous en avons la preuve. Depuis qu'on mène des politiques d'austérité, eh bien les pays se portent encore plus mal. Ce que nous voulons pour alimenter cela, c'est d'avoir une taxation sur les transactions financières parce que la spéculation nous a tellement fait de tort qu'il faut arrêter ces spéculations. Et ce que nous voulons aussi, c'est des euro-obligations, des obligations européennes pour d'une part mutualiser la dette européenne et faire en sorte que les spéculateurs ne peuvent plus jouer État contre État comme ils sont en train de le faire aujourd'hui, mais surtout pour alimenter ce nouveau plan de développement. Il faut faire reculer les dettes, mais nous ne pouvons pas le faire uniquement par des politiques de rigueur, parce que les politiques de rigueur amènent de l'austérité, et l'austérité amène de futures politiques de rigueur parce qu'on n'arrivera pas à les rembourser. Donc l'action des politiques au niveau européen met en difficulté les pays et les met aussi en difficulté pour rembourser les dettes.